Dites-moi, mes amis, serait-ce déjà la Fashion Week? En tout cas, Spider-Man s'y est cru avec son nouveau costume noir. Mais, chers auditeurs, même si le tigre perd ses rayures, il reste toujours un tigre, toujours aussi dangereux. Spider-Man a récemment dévasté le Queens en affrontant les chasseurs. Personne ne sera épargné. Nous avons tous été témoins de cette course-poursuite sur l'East River, où la menace en collant a pu compter sur l'aide de Spider-Man Junior pour causer encore plus de dégâts. Des témoins ont également repéré un lézard. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, évidemment, installez-vous confortablement et racontez sa vie, c'était épuisant. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man, évidemment, matez-moi ça. Oh là oh là oh là, hop, esquive, boum, cassage de bouche, ça fait plaisir, on commence en mode hardcore, évidemment, et ça me plaît, je te le dis mon petit père. Allez, venez, on va tous en haut. Voilà. Toi. Vache résistant toi. Ok, toi. Hop. Ok. Oh, elle est loin celle-là. Hein. Bref, comme d'habitude, 4K, 60 FPS. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça fait toujours extrêmement bon plaisir. Et installez-vous confortablement. Et évidemment, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit like et un petit commentaire. Ça aide beaucoup. Je sais que vous vous dites « Ah, je l'ai fait les 5-6 premières vidéos, maintenant c'est bon, relou, on est à la 25e !» Mais quand même, s'il vous plaît, vraiment, ça aide beaucoup. Il y a une époque, on n'était pas obligé de clémenter. Maintenant, j'ai bien compris qu'on l'était, obligé malheureusement. Donc voilà, je vous le rappelle, je fais mon travail de streamer. Si vous voulez me voir encore dans 10 ans... Même si ça fait déjà 14 ans que vous avez ma voix dans vos oreilles. Allez, on est parti, on a commencé sur un crime. Ça me fait extrêmement plaisir. Let's go! Oh, moi, je vois Spider-Man qui part comme ça en trompe, ça me fait plaisir. Je peux te le dire, mon petit père. Hein. Allez, on y va. Les amis, direction la suite de notre aventure et de notre quête principale. Étant donné qu'on a bien flex l'épisode précédent, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a? Oh! Un appareil photo encore, monsieur. Incroyable, ça faut les faire. On a des jetons de héros aussi, hein. Juste avant de me poser. Yo les gars. Sweep par-ci, sweep par-là. Ça ira. Allez. Tiens. Et alors. Spider-Man joue les paparazzi. Bim, bam, boum. Je me permets. Mais comment ils savent que Miles Morales est noir et que bah forcément Peter Parker, enfin le Spider-Man de Peter Parker est blanc. Il y a un problème là, non? Parce que personne n'est censé avoir vu ne serait-ce qu'un bout de doigt ou autre, étant donné que le costume verrouille à 100% la peau. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire si vous avez réponse à ça. Je lis pas assez les comics ni rien. Alors, juste avant cela, bon déjà, on a des nouvelles tenues à s'acheter. Celle de Miles, j'avoue, ça fait longtemps qu'on l'a portée. On va peut-être la changer un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre à celui-ci? Oh, waouh! Celle de New Generation, les gars. Le film qui est sorti... Mais ça, ça bouffe des jetons d'héros. Vous savez quoi, pour Miles, on va retourner en mode classico, tranquille. Par contre, on va utiliser les jetons d'héros en vrai pour la tenue. Hein. Ça, c'est vraiment le plus important, les gars. Augmente la santé de 15. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là au niveau des dégâts? Augmente les dégâts de 10%. En vrai, je préfère faire plus attention à ma santé pour le coup. Et avoir plus de dégâts que inversement, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les capacités se rechargent légèrement tous les 10 combos. Les attaques aériennes consécutives, très bien. Concentration, ça c'est aussi très important, je crois. Oh, waouh, ça nécessitait... Oh, waouh! Quel dommage! Déplacement, oh, waouh! Quel damage! Bon, et niveau gadget, ça on peut améliorer, mais ça va nécessiter... Ah non, des pièces high-tech, c'est ok. C'est ok de ouf. Par contre, ça... Ça nécessite... Oh, waouh, des jetons de héros. Les jetons de héros, j'ai compris hein, comment les avoir. Hein. C'est pas si évident que ça. C'est pas si facile, ok, les gars. qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Appuyez sur L1 pour effectuer un speeder saut lorsque vous vous balancez et vous planez. Oh, ça, c'est très stylé. Je prends. Ensuite, on va rester concentré sur le frérot ici même. Et en vrai de vrai, la saisie symbiotique peut piéger un nombre d'ennemis illimité.
Oh, waouh! Je veux! Je veux, mon gars! Je veux m'agater! Bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On est parti. Quête principale. Let's go, je suis trop content de retourner sur Spider-Man à chaque fois. Ce jeu est incroyable et je pense que ça se ressent. Vous l'avez dit en commentaire d'ailleurs. Ça fait plaisir. Harry. T'es vivant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je suis pas loin de trouver le Dr Connors. J'ai plus qu'à lui injecter l'antidote et je te rends ton costume direct. Ok. Dis-moi quand c'est bon. Des conduits perturbent le signal du mouchard. Ok. Où est-ce qu'il va ? Localiser le docteur Connors. Sarah Connors. Ben on y va ? On va le localiser, le frérot, là. Là, il y a personne. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a une caméra de sécurité ici ? On dirait des chiffres. Il y a des chiffres, en plus. Ok. Quelque chose que je suis en train de faire, mes couilles. On va réparer les dégâts du lézard. On va commencer par cette canalisation. Ok. Bien. Le lézard pour mettre les égouts en bordel comme ça. Bon, il a réussi à s'échapper, c'est plutôt bon signe. Kraven n'a pas mis sa main dessus. On va passer par ici. Sa tanière est sur une ligne de métro désaffectée. Je ne crois pas que c'était un accident. Okay. Connors ne veut pas qu'on le suive. Genre, il avait piégé là ? Il a fracassé une canalisation. Sûrement pour inonder les tunnels derrière lui. Où est-ce que vous allez, Doc ? Je vous jure, les gars, ça devient presque un survival horror. C'est impressionnant. On voit que dalle là-dedans. Waouh. Sérieusement? Ouais. C'est pas vrai. Oscorp a installé un labo dans les égouts. Waouh. Wow. J'avais dû préparer cet endroit pour Connors à l'époque. Sans le répertorier. Ça va être la merde, hein, je vous le dis, les potes. Oh, ça va être ça, les petits pères. Chercher des indices. Sur quoi Norman a bien pu demander à Connors de travailler dans ce labo ? Ok. Pourquoi il a noté des coordonnées célestes ? Ce symbole. Je savais pas que Connors avait étudié les langues anciennes. Oh non, on va voyager dans le multivers ? Enfin, peut-être pas voyager dans le multivers, mais vous m'avez compris, on va en parler ? Ce sera incroyable. Je me demande si c'est l'échantillon dont Connor s'est servi pour sa formule d'origine. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? J'ai déjà vu ça quelque part. Mais où ? Mutualisme ? Connors a toujours pensé que les réponses à ses problèmes venaient des organismes extérieurs. Attends, le mec qui met des coca avec des pipettes de sang ? C'est très bizarre, non ? Quand même, qui fait ça ? À son grand âge. Ils ont aussi une salle blanche ? Bouton rouge, j'ai envie d'appuyer. Attends. C'est notre accélérateur de particules de la Fondation. Connors s'en serait servi pour analyser du minerai ? Hein ?
pas ça? Super, il n'y a plus de jeu. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas celui-là. Non plus. Les yeux là-haut! Salut, Doc! Prêt pour votre check-up annuel? Ok. Les attaques par écrasement ne peuvent être parées ni bloquées. Vous devez esquiver. Et j'esquive comment? C'est pas la première fois! Waouh! Si vous êtes là, j'aurais vraiment besoin de votre aide! J'ai esquivé! Vous êtes Kurt Connors! Un brillant scientifique! Vous avez fait des erreurs! Mais c'est pas obligé de finir comme ça! C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille? Vous pouvez encore la retrouver! Ok? Pensez à votre femme! À votre fils! Ils ont besoin de Ok, vous. C'est bon, ça a l'air de fonctionner ce que je t'envoie? Attends, ta gueule! Vous voulez quand même pas priver votre fils de son père? Vous devez vous battre! Pour lui! Ok? Allez! Allez, dans ta gueule. Oh waouh, c'est jamais fini. J'ai l'antidote. Laissez-moi vous aider. Arrêtez de m'affronter! C'est le seul moyen de vous faire revenir! Ok. Ça pourrait déjà être terminé! Restez tranquille! Ok. Ok! Let's go! Est-ce qu'on lui met... Je peux vous guérir pour le bon! Alors, faites au moins un petit effort! Ok. Ok. Let's go. Allez. Allez, ça dégage. Bon, en gros, si on n'avait pas Venom, on était mort. Déchaîné dans les rues de New York! Ah,
c'était ça le saut que j'ai débloqué. Incroyable, ça. Stop! Vous faites du mal aux gens! Génial! Nick va s'en mêler. Ok. Attention, reculez! Est-ce que ça va rester dans New York quelques jours, d'après vous, les dégâts sur la... sur la route. Moi vite. Allez. Il pue la gueule. Ça va piquer. Officier, okay. Vous m'aidez pas là. Waouh. Vous vous fichez de moi, connard. Waouh. Wouh. Oh non. Ça va, il m'attend. Il a galéré à peu près au même endroit que moi. Vous savez que j'ai pas envie de faire ça. Mais t'es tranquille. Chasseur. Sérieux? Vous l'aurez voulu. C'est pas vrai. Sacré chasseur. Vous êtes dit de pas vous emmêler. C'est pas vrai. La type pas qu'il y a toute la famille. Cette chasse au lézard commence à me gonfler. J'ai pas le temps pour ces trucs. Oh. Connard. Wouh. Oh la vache, c'est quoi qui est en face là? Ah non, ça va, c'est l'eau d'un bâtiment. C'est parti! J'arrive pas à percer la porte! Ah, l'aiguille est coincée! Je refuse de prendre cette antidote! Waouh! Qu'est-ce que tu vas faire, tout en haut? T'envoler? Fini de courir! Non! Non, mais genre, lui, un carreau d'arbalète, ça suffit, frère, avec tout ce que je lui ai mis dans la gueule! En fait, Kraven, c'est une petite merde! Génération, c'est trop cool. Et trop crade. Wow. Très bien. Si je dois vous faire du mal, alors tant pis. Oh wow. Après toutes les fois où je vous ai aidé, je pensais que vous seriez conciliant pour une fois. Vous avez vu, je commence à me vénérer. Wow. C'est une blague.
Ces dieux évoluent beaucoup trop vite pour moi. Mais reprends le contrôle, hein. Devoir vous assommer moi-même. Oh, il est si dur. Mais attendez, vous avez vu sa vie ou quoi? Bah, peut-être dû prendre la life, hein. Je comprends que votre famille vous ait quitté. Vous n'êtes pas assez fort. C'est pas facile. Ils ont peur de vous. Et vous le savez. Hop. Il est à terre. C'est à moi de jouer. Waouh. C'est même pas pour ce moi que je suis, ce que je enclenche. Harry a besoin de vous. Vous vous souvenez de lui? Allez. Ah ah ah. Sa bouche. Je peux lui injecter l'antidote dans les gencives si je me rapproche assez. Où est-ce que vous avez eu ça? Harry Osborn. Il a dit que vous l'aviez fabriqué. Suivez-moi. C'est bien ce que je pensais. C'est par ici. Wow, wow, du calme. Je vais regarder de plus près. Ça va, ça va. C'est facile. Faites-le. C'est quoi ce truc? C'est un
un fragment de météorite tombé à l'extérieur de la ville il y a des années. C'est là qu'on a trouvé ça. Tant que je porte... un alien ? On appelle ça un symbiote. Et, il s'unit au niveau sous-cellulaire avec son hôte. Et, dans notre cas, Harry Osborn. Il vous l'a donné ? Exactement. J'étais blessé. Et il vous a choisi. Ça signifie qu'il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Nous devons appeler Oscorp. Nous devons le détruire. Vous voulez nous détruire ? Vous avez dit qu'il m'avait choisi, Doc. Spider-Man est meilleur grâce à lui. Vous avez vu, même l'araignée change, hein, l'araignée blanche sur le costume. Elle devient encore plus énervée, si vous voyez ce que je veux dire. Assassin's Creed. C'est bon, j'ai la cible en vue. Je vais le suivre. Alors là, quel épisode ! Quel épisode, mon petit père, hein ? MJ, content de t'avoir. Ça va bien ? Ça va. Je fais un peu de rangement à la maison. J'ai pris des nouvelles d'Harry. Mais ça va, toi ? Il parle de ta poursuite avec le lézard aux infos. Ça va ? Connor s'est guéri ? Et le costume tient ses promesses. C'est ce qu'on appelle un symbiote, apparemment. Oh, et c'est un extraterrestre. Carrément dingue, non ? Attends, quoi ? T'as pas l'air très inquiet. Si, un peu. Mais sans lui, j'aurais jamais pu arrêter Connors. Peter, à vous deux, vous avez ravagé la moitié de la ville. Sans blague, t'as vu ce que vous avez fait au musée ? Je suis même surprise que personne n'ait été tué. Pas moi ! Il fallait bien que je le soigne d'une manière ou d'une autre. C'est vrai ? J'allais quand même pas laisser mettre la ville à sac. C'est pas ça que... Je vais rester ici pour travailler. J'ai enfin trouvé l'inspiration pour un article qui peut emballer Jonah. Peut-être que je te le ferai lire si... si tu rentres tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui prend ? Ça doit être le stress de la page blanche. Elle a besoin d'être un peu seule. Pendant ce temps, voyons. Vous avez vu comment je me la pète là ? Je fais des figurines et tout. Des figures, pardon. Yuri m'a dit qu'elle allait observer les adeptes de la flamme et leur chef. Ok. Bon. Hop. Et est-ce qu'il y a un moyen d'aller... On est déjà... Ouh ! On a déjà une très belle vue ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a de la botanique, la tour des Avengers de nuit qui est éclairée. C'est magnifique, hein. Magnifique. Les amis, on me signale du grabuge au marché aux poissons. La flamme. Avec le lézard ? Je dois l'admettre, j'espérais vraiment que ce méchant-là ne reviendrait jamais. Mais, comme d'habitude, on peut remercier nos deux Spider-Man de nous avoir sauvés. Spider-Man Junior nous a offert d'impressionnantes pirouettes aquatiques, au passage. Quant à Spider-Man Senior, bon, est-ce que je radote si je dis que ce nouveau costume noir me fait méchamment flipper ? Ouais, complètement. Et vous savez quoi ? Tant pis. Au moins, je vous aurais prévenu. Vous avez vu l'araignée sur mon dos, comment elle devient vénère. Je vais toujours venir dans les commentaires si ça vous fait plaisir, mais j'ai pas honte de le dire ouvertement. Ce nouveau costume noir, je sais pas ce que c'est, mais ça me dit rien qui vaille. Bon, allez, c'était tout pour moi, les petits loups. Danica out. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Bisous tout le monde. À bientôt. Bye bye.